Des part et d'autre, ils sont venus pour accueillir le Saint-Père. Des voitures stationnées le long de la. On est dans le cortège. Oui. Donc, ça veut dire que bonjour, bisous. Alors, c'est-à-dire que, comme vous savez, il y a des coins, Kinshasa, Nyasuka, devant l'aéroport, les gens mobilisés. Veste nous est bon billet. Il faut soit au quitte. Nous sommes dans la direction.
Qu'est-ce qu'on montre là? On montre quoi? On montre quoi? On montre le... Alors comprenez... Regardez... Là. Ils sont venus de partout pour accueillir le Saint-Père. Voilà. Kinshasa plus belle. Vous voulez voir le pape? Attendez. La voiture du pape est là. Quels sont les mots nécessaires dans pareilles circonstances pour que le pape en comprenne le bien fondé? Mm-hmm. Je disais tantôt que le pape ne vient pas se laisser berner par le pouvoir de Kinshasa, tout à fait. Qui a embelli les voies publiques, nettoyé ça et là. Non, le pape sait aussi qu'il y a de la misère au Congo. Mais en même temps, il sait aussi que les gens se battent pour mieux faire. Dieu. Si on lui apporte des messages tels que le PPRD ne va pas se faire enrôler. Tout à fait. Et parce que encore moins, il sera intimidé par le pouvoir. Ça ne sera que perte du temps. Parce que j'ai dit tantôt ici qu'avant de venir, le pape et ses services savaient déjà que le PPRD ne prendra pas part. Très bien. Que Fayulu se réclamait président élu et que Katumbi avait des problèmes, on lui reprochait d'être juif. Il est déjà au courant de ça. Pas la peine d'aller le lui rappeler. Parce qu'il le savait, mais il a quand même accepté de venir. Kaboum est en prison. Il le sait. Croyez-moi, le pape, quand même pas l'enfer, la RDC. Okay. Donc, vous verrez qu'il y a des États qui ont sollicité l'avènement du pape, mais il n'y a jamais mis les pieds. Parce qu'ayant pesé le pour et le contre, il ne vient pas cautionner la dictature L'impunité. Dans un état voyou. Il ne visite pas des états voyous. Pour la plupart des états que le pape visite, c'est là où il y a une guerre injuste, par exemple, et posée comme c'est le cas chez nous ici, une guerre que les autorités du pays ne veulent pas, une guerre nous imposée injustement. Et le pape, en tant qu'autorité spirituelle, veut compatir avec les âmes qui souffrent en République du Congo, parmi lesquelles ses fidèles à lui. Ouais. Donc,
Déjà, l'avènement ici, c'est comme une caution qu'il donne au régime de Kinshasa. L'opposition doit finalement s'en rendre compte et comprendre qu'il faut passer le bon message auprès du pape. C'est vrai que, à votre avis, les bombes, c'est lesquelles? Ça ne va pas, c'est la misère qui bat record. Et... C'est vrai, la question de la misère est réelle, mais on ne va pas la régler du jour au lendemain par un claquement des doigts. Ouais. Mais en même temps aussi, il ne suffit pas d'aller accuser auprès du pape pour qu'on résolve la question de la misère. L'opposition se rendra utile en faisant des propositions constructives au régime en place pour que le régime sache... construire, sur quel projet accélérer pour que le Congolais se sente un peu mieux. Ce n'est pas en allant accuser et donner de faux rapports auprès du pape. Mais évidemment, il faut dire aussi que même si on donnait des faux rapports auprès du pape, croyez-moi, il a suffisamment de services ici qui puissent lui donner la vraie version. Évidemment, ce service, c'est notamment la CENCO l'annonciature apostolique du pape ici au niveau de Kinshasa, qui sont au courant de tout ce qui se passe à Kinshasa. Nous devons mieux communiquer, le président de la République, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et même y compris le cardinal, toutes les autorités de la CENCO. Étant des Congolais, moi je crois que c'est une occasion pour eux d'appuyer dans le sens de conforter le message que l'autorité suprême va passer au pape, parce qu'il ne faudrait pas que... La conciliation avec le Rwanda qui nous fait du mal. Ouais. Non, le Rwanda doit cesser à jouer donc, un mauvais tour donc, face à la RDC. Le Rwanda doit cesser les attaques ciblées. Le Rwanda doit cesser la guerre à répétition. Le Rwanda doit cesser d'utiliser des petits groupes comme le groupe M23, le Kunda Batware et autres. Il ne faut pas donc jouer à la...